Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission HCOM Hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau le député Adou Moustapha Brahimi, député de la circonscription électorale de Ouaye dans le Lac, président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Bonjour, député. Oui, bonjour. Oui, Robert. Vous êtes président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Veuillez nous présenter succinctement la commission que vous dirigez. Bien, la commission défense et sécurité, c'est comme toutes les autres commissions de l'Assemblée nationale. Au titre de rang, elle occupe le rang numéro 10. Avant la commission loi et la commission ODD. Donc cette commission, comme son nom le dit, elle s'occupe des traités, des accords militaires, elle s'occupe également des accords militaires entre les pays, entre nos partenaires, donc tout ce qui concerne relatif au fonctionnement des forces de sécurité, des paramilitaires, c'est-à-dire qui entend paramilitaire dans le sens large, c'est-à-dire la police, la douane, les eaux et forêts, donc tout ce qui concerne la justice militaire. Donc tous ces dossiers, le projet de loi, sont traités par les membres de la commission défense et sécurité. Oui, commission défense et sécurité. Là, j'espère que tous les députés qui sont dans cette commission, c'est des militaires. En commençant par vous, d'abord, vous êtes un général. Bon, c'est-à-dire que être membre dans une commission, d'abord, c'est ouvert. Tous les élus peuvent s'inscrire dans une commission de leur préférence. Par rapport à leur profil ou bien... Bon, non, pas par rapport à leur profil. Vous pouvez être un agronome, vous pouvez être un administrateur, adhérer dans telle ou telle commission. Parce que nul n'est autosuffisant. Vous pouvez adhérer dans une commission, vous pouvez aller s'inscrire dans une commission, devenir membre de cette commission, mais vous pouvez également contribuer et en même temps, au retour, vous pouvez apprendre. Moi, je suis un paramilitaire, mais forcément, maintenant, je suis aussi un militaire. Je dis cela parce que je suis le vice-président de la commission défense et sécurité. Alors, à ma qualité également, je dis militaire parce que depuis 1979, je suis inscrit sur la liste des forces de défense et de sécurité. Donc, j'ai ma carte militaire, je suis recensé comme militaire. Les collègues m'appellent général parce que quand j'étais gouverneur à Béché, son Excellence le Président de la République, dans une cérémonie, tout ça, il m'a appelé Brahimi Général, et puis c'est tout, maintenant c'est parti. Donc voilà, c'est comme ça que ce que dit le Président, c'est un acte. Donc, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore pu obtenir mon acte en main, mais le mot sorti de la bouche du premier magistrat du pays est un acte. Voilà. Oui, actualité oblige, monsieur le député Brahimi, l'humanité fait face à une pandémie qui est ici le coronavirus qui ne cesse de semer de la désolation au sein de l'humanité. Tout dans son adresse, le président de la République a appelé à la mobilisation de toutes les forces au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la commission sécurité est en train de faire exactement par rapport à cette pandémie? Oui, par rapport à cette pandémie, vous savez très bien, le coronavirus est une pandémie, comme son nom l'appelle, est mondiale. C'est un virus qui est très sensible d'abord, qui est très rapide dans sa contamination. Je ne suis pas un spécialiste sanitaire, mais on doit respecter scrupuleusement les instructions, les orientations, le mot d'ordre que son Excellence le Président de la République a adressé à la nation
la fois dernière. Alors, au sein de l'Assemblée nationale, la responsabilité est transversale. Pas seulement la commission défense sécurité, mais tous les élus sont au créneau pour la sensibilisation de la population. Mais dans ces paramètres, d'abord je remercie les internautes, les associations de jeunes qui ont pris le devant, qui ont sensibilisé largement par les internautes la population ndjaménoise et aussi la population au sein national. Le président de la République, son excellent le président Idriss Déby Itno, chef de l'État, s'est adressé à la population parce que le mot d'ordre qu'il a lancé a été respecté à sa lettre. Nous avons la responsabilité d'appliquer toutes les instructions, les orientations données par son excellence afin que le pays puisse avoir la santé, puisse ne pas laisser se propager ce virus très dangereux et très mortel. En rentrant ici au studio, je me suis d'abord désinfecté les mains avant d'entrer. Et chacun, à la maison, au bureau, dans le lieu public, tout le monde est appelé à désinfecter les mains, à respecter les règles de distance d'un mètre. Vous savez, aujourd'hui, notre placement actuel, je pense qu'il est distant d'un mètre. Donc, c'est ça ce qui va réduire la contamination au sein de la population. Et même dans des provinces, je vous avoue que nous tous avons laissé le mot d'ordre, nous avons transféré le mot d'ordre de son excellent le président de la République à tous les chefs traditionnels, à tous les imams, afin que le message puisse transcender, aller au fin du village pour que chacun puisse prendre sa responsabilité pour assainir chez soi et également pour sursoir, pas sursoir complètement, mais pour diminuer, disons, l'attroupement, parce que le texte dit plus de 50 personnes est interdit de se retrouver. Mais 50 personnes, si on ne respecte pas les distances, je pense que ça n'a pas de sens. Même si c'est 50 personnes, il faut d'abord respecter les distances d'un mètre. Alors, à cela, je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, le message de son excellent le président de la République est entendu. Je pense que ça a été vraiment respecté. Et Dieu merci, il n'y a pas de progression de contamination pour le moment dans la ville ni au Tchad. Oui, vous l'avez vous-même soulevé qu'en ce moment, avant de faire votre entrée ici au studio, on vous a fait désinfecter les mains. Et vous, élus, supposez être en contact avec votre base. Quel est le comportement que vous adoptez maintenant au sein de votre famille face à cette pandémie? Au sein de notre famille, nous, on n'a pas de complexe de leur dire directement le message. On leur explique la dangerosité de ces virus. Il ne faut pas que les gens minimisent ces dangers. Il faut absolument que chacun puisse savoir que le coût que ce virus donne à un être humain, c'est un coup dur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, les scientifiques ont démontré que la contamination est rapide. Mais cette contamination également vise les personnes de troisième âge, peut-être 50 ans ou 60 ans plus, sont beaucoup plus sensibles. Mais nous, nous sommes habilités à sensibiliser tous les foyers, les jeunes, les femmes, les vieillards, donc chacun puisse prendre toute sa responsabilité pour éviter le contact direct. D'abord, l'hygiène, il faut être propre, il faut également, j'ai dit au début également, respecter les distances, il ne faut pas aller s'accumuler pour une cérémonie quelconque, un attroupement. Donc tout ça sont des mesures préventives que le gouvernement avait prises et nous autres, en tant qu'élus, nous avons la responsabilité de transmettre ça dans le milieu rural et au village pour que vraiment le pays retrouve la santé totale. Oui, aujourd'hui, par exemple, je tiens à rendre visite à député Brahimi. Qu'est-ce que je peux constater devant sa porte à l'entrée? Nous avons de l'alcool, nous avons des savons, nous avons tout ça.
Parce que chez moi, certains amis me disent que c'est la Chine populaire. Parce que j'ai des attroupements, des étudiants, des élèves et en même temps. Mais ce qu'on fait, c'est de désinfecter. Je dis ça, je reviens et je répète plusieurs fois. Avant tout, il faut assainir chez soi avant de parler aux autres, donner des leçons d'assainissement. Donc chez nous également, on désinfecte, soit au fond chez la famille, les enfants, tout le monde lave leurs mains avec du savon et évite le contact direct parce que tout ce qui arrive, on se salue à un mètre, salam alaikum, et c'est tout. Et c'est lui qui peut-être atteint par une tous, la toux et tout ça, il quitte un peu à l'écart pour tout ça. Donc, ce sont des conseils qui ont été donnés à travers le ministère de la Santé, à travers le message du premier magistrat du pays, son excellent le président Idriss Déby Itno, que vraiment il est soucié à la paix, à la tranquillité et tout ça. La seule personnalité aujourd'hui qui est au four et au moulin, il fait face au terrorisme, il fait face au coronavirus, il fait face au développement, il faut faire également dans la sous-région le rapprochement. Alors, donc, je pense que c'est un homme exceptionnel et pas d'égal. Oui, vous dites qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire face à cette pandémie. Et au nombre de mesures prises, l'on assiste aujourd'hui maintenant à l'instauration du couvre-feu dans certaines provinces de notre pays. Alors, que dites-vous de ce couvre-feu? Bien, le couvre-feu, c'est tout à fait normal parce que à un certain moment, il faut toujours recourir au couvre-feu pour atténuer les effets néfastes de tel ou tel danger qui menace la population. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on sensibilise le milieu populaire pour telle ou telle vaccination? Parce que la capacité de compréhension n'est pas égale. Chacun a une capacité limitée pour soi-même. Donc il faut sensibiliser, il faut orienter, il faut développer afin que celui-ci puisse comprendre le propre danger qui lui menace. Parce que sans le dire, il ne sait pas. Aujourd'hui, beaucoup de la population sont satisfaits de la sensibilisation dans le cadre de l'assainissement. Se laver les mains, aujourd'hui, je pense que au fin fond, les gens ont leur morceau de savon en poche. Ils se lavent les mains pour aller à table pour manger. Oui. Donc, ce couvre-feu, chacun voit autrement. Certains peut-être disent, oh non, mais voilà, je n'ai pas pu aller voir mon frère à 20h, mon frère. Non, c'est-à-dire, si aujourd'hui le gouvernement instaure le couvre-feu, c'est dans l'intérêt même de la population. Ça, moi, j'appelle la population elle-même qui comprenne que le gouvernement et à l'assaut pour leur apporter la paix, la tranquillité et la santé pour elles-mêmes. Que la population comprenne que le gouvernement ne fait pas, n'instaure pas le couvre-feu pour le plaisir de défendre à la population d'aller vaguer à leurs occupations. Mais quand on instaure le couvre-feu de 19h jusqu'à 6h du matin, je pense que cette décision est vraiment idéale et j'appelle à la population de respecter à la lettre afin que la santé, afin que la tranquillité puisse s'instaurer dans notre pays. Mais est-ce que vous constatez que ce couvre-feu est réellement respecté? Ah oui, non, 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 parce qu'il y a une chose, hein, vous savez très bien aujourd'hui, nul n'est autosuffisant. Quel que soit le degré de compréhension, quel que soit le degré de réussite, il y a toujours un minimum qui passe à côté. Parce qu'aujourd'hui, nos éléments qui sortent dans les rues pour la patrie, souvent, bon, peut-être de temps en temps, constatent qu'il y a des gens qui ne respectent pas, mais on leur appelle à l'ordre de regagner, hein, de rentrer. Il y a des gens qui restent devant leurs portes
un attroupement, il reste, il cause jusqu'à 22h et tout ça. Non, 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 mais c'est l'attroupement qu'on n'a pas accepté. Que chacun puisse entrer et laisser la voie libre. Donc, je pense que, pour moi, je pense que le couvre-feu est nécessaire. Ce couvre-feu est objectif et moment opportun. Et c'est limité. Parce que dès qu'on voit, s'il y a une régression de cette maladie, on va revenir à un système normal. Oui, dans la mise en œuvre, dans l'exécution de ce couvre-feu, il arrive des fois où nous constatons que certaines forces de défense et de sécurité débordent. Quelquefois, ils profitent de ce couvre-feu pour arnaquer la population. Quel est votre message à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité qui profitent de cette occasion pour faire du mal à nos paisibles citoyens? Bon, c'est une question très pertinente. Mais vous-même, vous avez dit deux fois. Deux fois, ça arrive. Alors donc, je pense qu'à un certain moment, vous avez un morceau de viande, c'est un exemple que je donne. Vous mâchez, mais quelquefois, vous faites faux dentaire et vous craquez sur votre langue. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand c'est couvre-feu, les éléments sortent, on peut trouver un ou deux éléments qui peuvent faire peut-être un faux pas. Cela ne veut dire pas que l'ensemble de nos forces de sécurité, hein, disons, agissent d'une manière anormale. Parce qu'il y a les règles au sein même de l'armée. Il y a les règles au sein de la police. Ils ont des chefs, ils ont des chefs de bataillon. Donc tous ceux-là ont reçu des instructions, des ordres pour suivre ceux qui sont sortis pour... Hein, disons, assuré ou bien pour la patrie. Alors, il y a des sanctions qui sont là. Si peut-être un élément agit, qui sort en dehors des instructions données par le chef, il sera puni. Il sera puni. Alors, donc, nul n'est autosuffisant, j'ai dit ça dès le départ. Nous sommes aujourd'hui ici, trois ou quatre qui sommes là, chacun a sa manière de voir les choses, mais ce qui est sûr, il faut d'abord se focaliser sur l'intérêt général du pays, sur l'intérêt général qui doit orienter vers le développement de ces pays. Parce que vous savez, je reviens un peu en arrière. Aujourd'hui, cette pandémie a tiré le globe terrestre par le bas. Personne ne savait qu'en tel mois, nous allons subir ces coups. Je pense que nous avons beaucoup de scientifiques, je ne sais pas comment, qui ont, certains peut-être en lisant les internautes, on ne peut pas prendre tout en considération, mais ils le disent que les gens avaient prévu, les gens avaient ceci, les gens avaient ceci. Mais moi, je néglige pas vraiment ce virus parce que son coût est fatal. Il suffit de se munir, il suffit d'écouter les conseils de notre gouvernement, il suffit de prendre à la lettre les messages de son excellent le président de la République. Hein, on doit continuer toujours à respecter pour que vraiment la santé totale puisse s'instaurer dans notre pays. Oui, la population a décrié le comportement de ces forces de défense et de sécurité, ce qui a amené le directeur général de la police de sortir de son silence pour appeler cette force de l'ordre-là à faire avec objectivité ce travail de sensibilisation. Alors, est-ce que vous n'avez pas un message comme ça à adresser à nos forces de défense et de sécurité, les amenant par exemple à collaborer étroitement avec la population? Oui, ça c'est notre devoir de le faire. Nous avons des jeunes, nous sommes des doyens, hein, mais j'appelle, c'est ça même le rôle de nos policiers, d'être en brassage avec la population, d'orienter des conseils. Je pense qu'ils le font, mais quelquefois, s'il y a une erreur qui se glisse, c'est pourquoi le DG est monté sur le créneau pour leur orienter des conseils. Parce qu'il les a d'abord donné des orientations et des conseils. Mais si un ou deux passe à côté, le DG qui suit de près toutes les actions de ces éléments,
Donc, ne peut pas accepter et ne peut pas fermer les yeux pour regarder soit que les éléments puissent aller faire des choses qui ne sont pas correctes, des choses que la population puisse en souffrir. Je pense que le DG suit de près dans l'intérêt de la population. C'est pourquoi une petite erreur, plus petite qu'une graine de sable, le DG est en train de voir. Et le DG doit marteler sur les doigts de l'agent qui doit faire des erreurs, le rappeler à l'ordre, afin qu'avec la population, qu'on puisse voir vers une même direction, la direction de la paix, la direction de la sensibilité, de la solidarité et de la discipline. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la population elle-même. C'est dans l'intérêt de la population elle-même. J'avais dit ça même dès le début, parce que nous sommes tous embarqués dans un bateau, afin de pour qu'on puisse accoster ces bateaux à l'autre rive, il faut que tout le monde apporte sa contribution. Donc la contribution est transversale pour que la paix, la tranquillité, la santé puissent arriver et son excellent le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, puisse s'atteler au développement de ces pays. Oui, votre message à l'endroit de la population qui nous suit en ce moment, vos électeurs surtout. C'est de respecter scrupuleusement le message de son excellent le président. C'est de respecter également les orientations du gouvernement, plus principalement les consignes qui sont données par le ministère de la Santé publique. Et aussi contribuer ensemble avec nos forces de sécurité qui sillonnent les rues pour qu'ensemble, en symbiose, puissent au moins apporter la quiétude. Parce que la responsabilité est partagée. Ce n'est pas seulement les éléments de sécurité. Les éléments de sécurité sont payés, sont traités, sont formés pour qu'elles assurent la sécurité de la population. Alors donc, il faut que la population puisse comprendre dans ce sens et venir vers la population comme d'habitude, apporter leur contribution également à nos forces de sécurité pour qu'ensemble nous puissions voir une seule direction, la direction de la paix, la direction de la tranquillité et la direction vraiment de réussite. Oui, voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces sages et utiles conseils du président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale que se réforme cette édition. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir sur ce plateau Adoum Mustapha Brahimi, député de la circonscription électorale de Ouai dans le Lac. Il est par ailleurs président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il était question au cours de cette émission des mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre cette pandémie qui ne cesse de semer de la désolation au sein de l'humanité. Merci, honorable. Merci beaucoup, M. Robert. Merci. À la semaine prochaine.